Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3. Mon offensive sur l'Allemagne qui a pas été si mauvaise que ça, hein, ça m'a permis de pas mal avancer. Là, le temps peut-être de ramener toutes mes troupes, je vais être à l'arrêt un petit peu, surtout qu'il y a quand même pas mal d'offensives. On verra, a priori je suis quand même à peu près bien parti partout. Donc là j'ai gagné sur Luchow. Là je vais reprendre Schwerin, ça va pas trop me poser de problème. Ok, le but ça va être de prendre Rostock évidemment. Voilà, normalement je devrais pouvoir me défendre partout. Et on va peut-être essayer de stabiliser un peu tout ça, faire une petite pause. Histoire de réorganiser tout. Mais là j'aimerais bien qu'il rentre en combat, sérieux quand même. Ça s'impose là. Ouais, c'est bon. Maintenant ils auront beaucoup plus de mal à remporter la bataille. Ok. Güstrow, ça devrait le faire. Ouais, ça le fait. Wismar, ça le fait évidemment. Là, je suis en train d'avancer. Ok, donc là, c'est pas mal. Alors, on est repassé dans le rouge. Ouais, largement. 20 000 de déficit, déjà, ça va très très vite. Hanovre, c'est pas terrible. Ce que je pourrais faire, c'est... L'attaque, elle vient d'où, là, au juste? Göttingen, Broschein, Hildesheim, Neinburg, elle vient de partout. Hein. Ouais, ce que je vais faire, je vais... attaquer ici. Attaquer... Ah, ouais, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de les empêcher. Est-ce que ça vient toujours de partout, là? Ah, il arrête pas son attaque, je pensais qu'il arrêterait en fait. Ça m'étonne de lui qu'il insiste comme ça. Bon, Heide, je ferais peut-être bien de... Je vais ramener des troupes là. Bon, Wismar c'est presque fini. Güstrow c'est fini. Ok. Donc ce que je vais pouvoir faire sans plus tarder... C'est une contre-attaque sur Rostock. Peut-être pas d'ailleurs. Ouais, je vais quand même tenter le coup. J'aimerais bien prendre Rostock en plus. Bon là, ça me va pas du tout ce qui se passe. Je vais aller aider un peu Hanovre. Ah, c'est pareil, ça passe pas du tout bien comme il faut. Mais c'est plutôt une contre-attaque, donc que ça passe pas, c'est pas très grave. Bon là, ça m'inquiète pas trop. Je pense que c'est une fausse attaque entre guillemets. Il peut pas faire grand chose. Ouais, là, ça va être bon. Là, je le sens plutôt mal. Ouais, il perd très vite. Et du coup, ça donne quoi sur... C'est là que ça m'inquiète un peu, je dois dire. Et lui, il est en double combat. C'est pas possible, ça. Il doit perdre... Putain, même en double combat, il perd pas si vite que ça, je trouve. Là, j'étais obligé d'arrêter. Bon, eux, ils arrivent plus ou moins vite. Hanovre, ça va être compliqué. Hein. Je vais réussir à retirer cela, je pense, assez rapidement. Mais ça va pas nous... Ça va pas changer le cours de la bataille, je crois pas. Alors, eux... Il y en a trois qui vont aller là. Et deux qui vont aller là, ok. Cette province-là, j'ai pas trop envie de la prendre, c'était vraiment pas le but. Le but, c'était de faire fuir les Allemands qui attaquaient Hanovre. Donc pour l'instant, je vais juste apporter des renforts à Hanovre. C'était plutôt pour ça que je venais. C'est pareil, Solto, ça va être chaud. Pas sûr que les renforts arrivent à temps. Ok, Rostock c'est gagné. Là, je me vois mal perdre aussi.
Je vais essayer de stabiliser le front là, je vais arrêter d'avancer, me défendre et réfléchir à ce que je peux faire pour repartir. Mais j'aimerais bien gagner déjà toutes les batailles en cours. Rostock, c'est normal, ça y a pas de souci. Hyde, j'espère qu'on va arriver à temps, Hyde, parce que je suis en train un peu de perdre. Osterburg, je ne sais pas où est Osterburg. Ouais, les renforts arrivent. Heureusement. Et merde, j'ai déjà perdu Solto, donc je vais pas y aller tout de suite, je vais attendre. Ça, c'est pas cool, hein. Non, c'est pas grave. On devrait réussir à surmonter ça. Là, je vais attaquer sur cette province de Salzwedel, là, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est surtout pour aider Osterburg, en fait. Mais là, je suis vraiment en train de perdre ou c'est pas une blague, en fait? Ah, je sais pas. Non, non, je suis pas en train de perdre, je crois pas. Quand je vois la vitesse où il perd, lui, son organisation, je me dis que ça devrait être bon. C'est bien. Là, je vais vraiment augmenter toutes mes doctrines terrestres, donc ça devrait mieux se passer. Je sais pas comment je vais faire pour défendre... Elle est où la bataille, celle-là? Je sais pas comment je vais faire pour défendre Hanovre. Je pense qu'il a vraiment décidé de le reprendre. Et du coup, ça me coûte un peu cher. Ok, ça c'est gagné. Il faudrait que celle-là récupère ses capacités offensives. Ça va être assez rapide maintenant. Ah merde, il me réattaque. Non, c'est bon. Ok, c'est fait. C'est parti. On va se diviser. Une ici, pardon, en soutien. Ah. Ok, ça c'est fait. Et une ici en contre-attaque. Ah c'est bon, les renforts sont arrivés à Solto. Espérons qu'on tienne cette fois. Ah non, ça c'est Gustro, c'est pas Solto. Bon, bah on verra. Ok, faut vraiment qu'on finisse par arriver sur Rostock, là j'en ai marre. Ça fait deux fois qu'ils nous le reprennent. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Là, on tient pas. Hein. Je pensais que ça se passerait beaucoup mieux. Comment ça se fait qu'ils arrivent à gagner ça? C'est pareil, on va pas réussir à tenir... Hanovre, je pense pas. À la rigueur, il faudrait peut-être mieux que je l'abandonne tout de suite plutôt que ça me coûte trop cher. On va s'arrêter là. Ok, on n'ira pas plus loin pour l'instant. Par contre, là, il faudrait que je tienne ici. Ouais, les renforts sont pas encore là. Gustro de nouveau. Décidément, il en veut à cette province, je sais pas pourquoi. Ah, le problème, c'est que si je recule de Gustro, faut que je recule aussi de Rostock. Non, je suis obligé de reculer là. Je vais reculer là aussi. Bon là par contre il peut pas trop passer. Là je pense que les renforts arrivent bientôt. Non même pas.
J'ai l'impression que cette fois je tiens à peu près quand même. Ouais, je crois qu'on va tenir. J'espère qu'on va cette fois un peu stabiliser le front. J'ai quand même perdu déjà 40 dans cette guerre. Mais j'imagine même pas comment font les Allemands, quoi. Là, j'ai dit que je fuyais, non? Ouais, je fuis. Ah oui, alors là, faut que je m'en occupe quand même. Je vais attaquer ici. Là, on soutient. Là, on soutient. Là, je peux avancer. La cavalerie, finalement, peut y aller, là. Je pense que je vais réussir à chasser les... Eux, ils ont récupéré un peu de leur... Ouais, c'est bon. Je vais les faire traverser. Je pense qu'ils ont récupéré un peu de puissance. Bon, j'espère qu'on va réussir à stabiliser le front, calmer tout le monde, là. Pour se réorganiser et repartir de plus belle. Bon, Wismar, c'est bon, il passera pas. Enfin, j'espère. Non, c'est bon, il y a beaucoup de troupes qui arrivent, là. Non, sérieux, il m'inquiète quand même à chaque fois. Rostock est perdu, c'est pas grave. Gustrow est perdu. Et Wismar, comment ça se fait que je m'en sors pas là? Les renforts arrivent, mais j'ai peur qu'ils arrivent trop tard en fait. Ah non, c'est bon, c'est le chiffre est trompeur, on a encore pas mal de temps devant nous. Solto, je pense que c'est bon maintenant, on a récupéré assez de troupes. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de me reculer. Je vais mettre ces deux-là ici, ça je vais le reculer derrière. Là, est-ce qu'on va tenir? Ouais, je pense que oui quand même, faut pas exagérer. Schwerin, je pense qu'on va tenir. Oh non, sérieux, j'ai plus rien là. Ah oui, j'ai pas grand-chose en fait. Je vais ramener tout ça là. Et là, j'hallucine quoi. On est encore en train de perdre. Peut-être pas. Ouais, sauf que dès qu'on passe aux troupes allemandes, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Ils sont vraiment mortels. Ok, Solto c'est gagné. Alors ce que j'ai envie de faire c'est faire des forts sur Hambourg. Ceci dit, je pourrais faire des forts partout où je me suis engagé. On va voir, ça coûte rien honnêtement. Si on est coincé là pour un certain temps, ça m'aidera. On verra ce que ça donne. Ok. Là, il n'y a pas d'unité. Ah si, là, il y en a plein. Non, on va tout envoyer ici. Il faut que je les mette évidemment en prioritaire. C'est très rapide maintenant. C'est une question de 3 mois. Donc le temps de récupérer nos effectifs, on sera peut-être coincé là 3 mois, hein, parce qu'on est déjà à moins 73 quand je vois la vitesse où ça va. Bon, lui, il était là pour fuir, donc hop, il peut fuir. J'aimerais bien que les combats s'arrêtent, que je puisse me réorganiser. Faut au moins que je tienne Schwerin, quoi, c'est bon. Alors là, je vais virer mes blindés déjà. Je vais aller les mettre sur Hambourg pour l'instant.
Ah, tout est en déroute là en fait. C'était pas prévu ça. Merde, c'est mon QG qui est arrivé le premier évidemment. Ça, c'est pas l'idéal. Et tout, du coup, ça a entraîné le repli de toutes mes troupes. Ah, je déteste ce principe. Mais j'aurais pas dû envoyer mon QG, c'est de ma faute aussi. Bon, c'est pas grave. Équipement de nuit, donc ça c'est bien. Ça peut toujours servir. Sauvegarde. Solto, voilà, je peux. Il attaque avec une unité, il croit passer avec ça quoi, mais. C'est dire si on est mauvais quoi, parce que. Non seulement il croit passer, mais il passe presque. C'est ça le pire. Bon, là il va souffrir. Chacun son tour de souffrir. Schwerin, ben, les renforts arrivent. Ça c'est peut-être bon, faut que je regarde. Puisqu'on est. On n'est pas encore en 46, donc je pense que. Ouais, ça c'est bon. C'est la seule qui va être bonne, je parie. Ouais. Alors un petit réglage. Là je repars avec tout ce qui est rapide. Putain, là ça va être plus chaud déjà. Non, je pense que ça va passer. Et donc maintenant il faut que je regarde parce que comme j'ai quelques sciences qui sont à jour, ouais ça c'est bon. Là je vais en ramener quelques-unes. Putain, je suis déjà à moins 108. Mon attaque m'a coûté très très cher. J'hallucine quoi, moins 100. En quoi, en un mois peut-être. Ok, c'est gagné ça. Putain, à chaque fois je perds. À force d'amener mes unités au fur et à mesure, c'est clair que c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse. Là c'est bon, je les ai eus. Donc là on va arriver. Ah putain, il a eu le temps de ramener une unité de plus. En fait, il lui arrive ce qui m'arrive. Hein. À chaque fois, il ramène une unité qui se fait massacrer. Ah, là, on est nombreux. Ah, c'est bon, je crois. Avec tout ce que je ramène derrière, je pense que là, ça va le calmer. Enfin, j'espère. Mais on est tellement peu efficace par rapport à lui que je m'avance un peu, peut-être. Ok, Wismar, de nouveau, c'est gagné. C'est bon, là on devrait tenir. C'est des Italiens. Son unité elle est tellement faible, là il est à 20% de puissance seulement. C'est vraiment pas terrible. Ah, ouais. Par contre les Hongrois ont l'air plutôt pas mal parce que là je vois que c'est un leader hongrois, donc c'est dur de dire ce qu'il y a comme troupe, mais. Il y a forcément des troupes hongroises. Là, j'ai amené beaucoup de renforts pour le coup. Ouais. On va, j'espère assez vite en rajouter une. Voilà. Impact du radar. Donc ça, c'est peut-être bon. Ouais, 46. Bon, j'ai l'impression que par contre de l'autre côté, sur l'autre front, il a un peu abandonné. Donc il faudrait que j'arrive à stabiliser ce front-là en gagnant cette bataille par exemple. Et je pense qu'on serait... il arrêterait le harcèlement. J'espère. Soutien intégré. Donc infanterie de marine, c'est vrai que ça j'en ai pas trop. Mais j'ai encerclement une tactique qui va s'améliorer. Ok, donc là je pense que... On a sauvé Wismart. Ce que je peux faire, c'est attaquer sur les flancs.
peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, tout de suite, il a arrêté. Ok. Bon, j'espère qu'on va avoir un peu de calme. Là, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Vu le nombre de convois que je perds, je me suis dit... Ça va mal se passer. Bon, ça, je peux l'annuler, celui-là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Tout ce qui est métal, tout ça, j'en ai beaucoup. Là, celui-là, il est vide, je sais pas. Celui-là, j'ai envie de le garder. Bon, ça, je m'en fous. Du pétrole, j'en ai. Celui-là, il est vide, je sais pas pourquoi. C'est bien un convoi que j'ai détruit, là. J'ai envie de détruire tous les convois. Ceci dit, ça va pas me rendre autant de navires que ça. Ouais, j'ai perdu beaucoup, hein. Je vais faire le point. Qui j'en ai besoin? Benghazi, j'en ai plus besoin, là. Boston, ça c'est bon. Aarhus, j'en ai plus besoin. Copenhague non plus. Alger non plus. Singapour, je pense que oui. Gabès. Non, tout ça, j'ai pas besoin. Dar el Salaam, j'ai pas besoin. En fait, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de... Rangoon ici. Ouais, c'est tout. J'ai besoin de Rangoon. Alexandria, là, je crois que ça s'appelle. Ici. Ouais. Et Kiel. Donc en fait, je devrais avoir 3 convois. C'est tout. J'ai pas besoin de Gabès, là. Ok, c'est tout ce que je devrais avoir. Et c'est même pas Singapour, hein, c'est Rangoon, je sais pas pourquoi, là. Hop, ça j'annule. Créer un convoi de ravitaillement. Il va falloir que je trouve Rangoon dans cette liste. Et il va falloir que j'arrête... Excusez-moi, il va falloir que j'arrête bientôt la vidéo, ceci dit. Et j'espère que j'ai des convois en prioritaire. Il va vraiment plus me rester beaucoup d'industrie, là. Ça, c'est prioritaire, évidemment, maintenant. Sinon, on risque d'avoir quelques soucis rapidement. Parce que je produis pas beaucoup d'énergie, à mon avis, à moi tout seul. Alors, Ulzen. Putain, une attaque de front comme ça, c'est mortel. J'ai du mal à survivre. Je vais tout de suite contre-attaquer. Ouais, ça c'est bon. Mais je peux pas aider plus. Brochwein, Hanovre. Si, il y a des troupes qui viennent d'Hanovre, donc à la rigueur je peux attaquer ici. Ouais, tout de suite je me prends une contre-attaque, donc je peux pas continuer. Là il faut que j'aille aider, hein. Je vais enlever les troupes les plus fragiles. Ça on fait 4 pour aider, j'espère que ça suffira. Puissance de feu supérieure, c'est pour mettre plus d'unités. Ça, c'est bien. Par contre, l'organisation de l'infanterie. Ça, c'est pas à jour. 47. Ouais, là, par contre, je vais tenir. Je vais voir un truc. Dans une bataille comme ça, qui c'est qui perd le plus de troupes, là? Ouais, c'est quand même lui, hein. J'avais des doutes, mais vu le nombre de troupes que j'ai perdu, j'ai trouvé que c'était assez phénoménal. Putain, partout il attaque. Mais il attaque avec quasiment rien, quoi. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas sa tactique, là. Ouais, ça c'est bien. En tout cas, je suis en train d'améliorer mes troupes terrestres. Hein. C'est pas trop tôt. Ça va quand même m'aider, je pense. Pour l'instant, ça se voit pas trop, hein, mais j'espère que sur la durée, on verra la différence. J'ai 88 de déficit.
En fait, l'attaque qui m'inquiète, c'est celle-là. Donc celle-là, c'est gagné. Je pense que celle-là, ça va être gagné. Ok. Et il reste celle-là, qui est pas bonne du tout. Pas encourageante. Ah, il a beaucoup de troupes. Il va falloir que j'aille les aider. J'ai déjà perdu, là, sérieux? Ah, putain. Et je vois le moment où je vais être obligé de me replier sur le Danemark. Je suis incapable de tenir contre l'armée allemande. Et c'est les Russes qui vont rafler la mise, quoi. Hein. Là, ils sont en train d'avancer, je pense. C'est bizarre qu'ils aient cette province-là. Ils arrivent à Varsovie. Ah, ça va planter, là. Je vais arrêter la vidéo, sauvegarder. Déjà, j'ai de la chance si ça marche. Ouais, ça a l'air de marcher. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.